Je me dis que le sang que j'ai vu ce soir-là m'a marqué. Tout ce qui est arrivé après cette soirée. Ne peut pas être une simple coïncidence. À plat ventre, les mains derrière le dos. À plat ventre, maintenant. On a reçu un jeune hier soir. Je pense que son cas t'intéressera. Danny, vous n'avez pas l'air de quelqu'un de dangereux. Racontez-moi comment vous vous êtes retrouvé là. Loser. Hey, je vais te défoncer, tu vas voir. Allez-vous-en. Tu veux entrer, t'es passé de l'eau sur la figure. T'es en sécurité. Ça ne vous a pas paru bizarre que cet homme surgisse de nulle part pour vous aider? Je me suis dit que j'avais de la chance. Vous avez déjà eu de la chance? Non. Il y avait du verre cassé partout. Il y a des traces de lutte, on a trouvé du sang par terre. Et la fille? Aucune trace d'elle nulle part, à mon avis, il l'a descendue. Qu'est-ce qui t'a foutu? Il a pas tiré dans le tas au hasard, il cache quelque chose. Que s'est-il passé dans cette maison? Où est-ce qu'ils sont tous passés? J'ai comme des espèces d'amnésie. Ce ne sont pas les seules personnes proches de vous à avoir disparu, n'est-ce pas? Tu crois que ce sont toutes des victimes? Tout ce qui s'est passé semble être votre idée depuis le début. Vous croyez que c'est moi qui tire les ficelles dans l'histoire? Et si je vous disais oui? Pas... C'est pas moi! Danny, je suis là pour vous aider. J'ai pas tiré. La meilleure chose à faire, c'est de plaider coupable. Ils sont tous dans le coup, c'est sûr. Imagine que j'ai raison. Danny est peut-être innocent. Qu'est-ce que vous me cachez? Qu'est-ce que vous vous cachez à vous-même?